Aïe, 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 aïe. Hé, hey, madame. Cristal. Non, c'est devenu maintenant comme ça. Je me passe devant ma cour, on me dit, on ne dit plus bonjour. Je te dis d'abord bonjour par rapport à quoi? Mais par rapport à quoi? Je suis ta belle-sœur. Tu es ma belle-sœur. Ah, oui. Tu es ma belle-sœur de quel côté? Je suis la petite sœur de Rome, non? Je ne me souvenais pas. Ah. Je suis désolée. J'ai oublié. Hey, hey. La petite sœur de Rome. Vraiment. Je dis, hey. Donc, après ce que tu es venu faire hier chez moi là, tu t'attends à ce que moi, je me puisse encore parler avec toi. Que je puisse encore m'échanger avec toi. Attends. Non, c'est toujours pour ton handicapé de frère, le parasite qui est chez je vous. Je ne te permets pas, madame, tu ne crains pas mon frère d'handicapé. Et même si l'handicapé, ça ne te concerne pas. C'est un être humain comme toi. Il fait quoi chez toi? Il fait quoi chez mon frère? Où est ton problème? Hein? Où est ton problème? Mon problème, c'est mon frère. Ton frère t'a dit qu'il avait un problème. Oui, c'est mon mari. Je gère les problèmes de mon frère avec mon mari. Il ne vient pas intervenir dans mes problèmes. Voilà donc le problème de ton foyer qui te dépasse. Je suis venue t'appeler. Hein? Voilà ça qui je te suis dépasse. Venue t'appeler pour te dire que ça me dépassait. Oh, oh. Je l'ai appelé le renfort. Oui, tu t'es porté garante de venir semer le trouble chez moi, de venir semer le désordre dans ma maison. Et tu penses qu'après ça, moi je te croise et je te salue encore. En vertu de quoi? Tu me sers à quoi? Tu apportes quoi dans ma vie? Je suis venue chez vous parce que ton frère. Mais mon frère mal à l'aise. Tu vois pas comment mon frère vieillit? Tu vois pas comment. À l'état où ton frère meilleur, mon frère. Ton frère n'est pas censé vieillir. Tu te regardes même pas toi-même. Ton frère n'est pas censé vieillir. Vraiment. C'est une grâce de vieillir. C'est une grâce. Ah, n'est-ce pas? Ça te fait mal au cœur. Et il faudrait que quelqu'un anticipe sa vieillesse. Est-ce que ça te donne donc le droit et le pouvoir de venir bagarrer avec mon frère? Tu trouves ça normal? Tu dois venir bagarrer avec ton frère parce que ce n'est pas, il ne sait pas sa maison. La moindre des choses auraient été que tu viennes vers moi et que tu me demandes des explications. Que tu viennes d'abord te renseigner avant de venir faire ce que tu es venu faire. C'est pas normal. Je viens me renseigner par rapport à quoi? Ton frère est chez toi. C'était une histoire entre ton frère et moi. Pardon. C'était une histoire entre ton frère et moi. Je ne m'en rappelle pas comment parce que frère je dis, c'est mon frère qui est venu me voir. Il sait même pas pourquoi il continue à trop bavarder comme ça. J'ai dit, c'est toi qui m'as interpellé. Tu as vu comment je t'ai méconnu. J'ai dit qu'il va arriver là-bas chez vous. Tu vas arriver par là-bas chez vous. Je ne sais même pas. Chez qui? Ton frère ne peut pas prendre une femme. Chez qui? Tu vas arriver chez qui? Chez toi. Pour faire quoi? Chez toi. Tape ici si tu es une femme. Je tape quoi? Tape ici si tu es une femme. Tu vas revenir. J'ai besoin de taper. Tu vas voir ce qu'il va taper. Mais je t'informe seulement qu'il va arriver là-bas. Je vais arriver. Je te dis. Ton frère ne peut pas se tuer. Tu vas me tuer. Tes égales ne sont pas mariage. Mes égales. Tes égales ne sont pas mariées. Mes égales. Mais toi, que ces égaux aussi ne sont pas mariés. Ces égaux même des femmes et des maisons. Mais s'il n'est pas encore marié, est-ce que tu as vu, il est venu semer le trouble dans le foyer de sa soeur? Il cause un trouble dans votre foyer. Il est en train de mettre mon frère mal à l'aise. Mon frère ne connaît juste pas encore comment vivre avec les gens, c'est tout. Il ne connaît pas comment vivre avec les gens, comment un vieillard comme ça là. Un vieillard comme ça là. Non, tu n'es pas vieillard. Hein? Un vieillard comme ça là. J'ai demandé la jeunesse. Toi-même, tu es vieille. J'ai demandé la jeunesse. Pourquoi tu ne fais pas marier? J'ai demandé la jeunesse. Oui, là-bas, je n'ai pas besoin. Ça, j'ai un mari. Si c'est le genre de mariage, si c'est le vôtre genre de mariage, si ça ne vaut pas la peine. Mm. Je dis, quand je te regardais même, je regrette. Je regrette pourquoi est-ce que j'étais derrière. J'avais demandé à mon frère de ne pas, venir t'épouser. Il a non, insisté. Tu sais pas, je me suis alliée derrière lui. Tu m'as compatie de la race, tu m'as combattue. Mais au final, tu as gagné. C'était vraiment. Qui a gagné? Tu es sûr que tu as gagné? Qui est dans le foyer? J'ai déjà gagné. Tu es sûr que tu as gagné? Avec ton parasite de frère qui est là-bas. Je suis mariée. Vraiment. J'ai gagné. Mon frère est venu épouser toute une famille. Quoi ensemble nous? Toute une famille. Toi aussi va rester chez un homme. Tu peux aussi le bruit comme tu es venu faire chez moi. Vraiment. C'est ça. En tout cas, je t'ai dit. Je n'ai pas besoin, même si mes égards sont mariés ou pas. Je t'ai dit. Retiens ceci. Comme je t'ai évité là. C'est comme ça que je vous gosse, que tu fasses. Donc, dorénavant, tu me croises en route, ni vu ni connu. Tant que ton frère sera chez toi, le chez moi n'est pas le chez toi. Je dis que le chez moi, c'est le chez mon frère. C'est le chez mon frère. Je dis que je vais arriver là-bas. Tu mets tes petites choses comme tu mets là. Je dis que je vais arriver là-bas. Je vais arriver là-bas, je te dis. Je te le promets.
Chérie, là. Oh, Toto. Ah, oh, mon amour. Ouais, attends. Ouais. Chérie, là. C'est moi qui t'appelle. Ah. Mais qu'est-ce que je te cherche? Tu m'as vu, toi. Tu m'appelles, même tu m'appelles, chérie. Tu m'appelles. Bon, ça veut dire quoi? On t'a gâté, je vous. Ouais, c'est ce que tu es le genre, quand on sacrifie dans la famille, on t'a sacrifié. Ou bien, on t'a seulement prescrit, c'est une prescription médicale derrière moi, que c'est toi qui vas finir ma vie, c'est toi qui vas me détruire. Tu me vends encore quoi? Voilà, Lydia, entre nous, quand un vieux type comme mon oncle là, il te prend pour tout, tu penses quoi? C'est pour moi! Tu es qui, Lydia? Tu m'appelles pas les choses comme ça, là. Tu me connais même pas. Parce que tu me vois là, j'ai ton mal. Ils m'invitent à me manger pour que tu me vois, je ne me cherche même pas. Toi qui, on te, lui me prend à parler que tu m'as fait. Il t'a fait quoi? Tu m'as fait quoi? Oui. Tu vois que tu l'as fait juste que tu m'as fait. Mais j'étais seulement aimé, non? Tu m'as aimé. C'est quand j'ai l'amour, tu es vampire. Donc, je suis marié à ton oncle. Toi, tu trouves que tu es, je serais mieux avec toi. Que tu es qui? Tu as quoi? Tu fais quoi dans la vie? Manizia, en bas, comme tu vas me donner quoi? Toi, tu penses que mon oncle a peut te faire trois fois la nuit? Si je n'ai pas besoin de ça. Hein? Il me satisfaisait en fait. En fait, tu as accepté, non? J'ai accepté la relation tuer, avec ton oncle. Tu es venu tuer mon oncle. Tu es venu tuer mon oncle. Qui va le tuer? Et surtout, tu es gâté. Non, c'est non. Non, Jérémy, tu sais. Je vais te dire un petit truc. Écoute-moi très bien. Tu ne me connais pas. Nous ne sommes pas parentés. Parce que toi, Wawo, tu as accepté, tu as fait que la relation avec ton oncle. Tu as compris. Tu as tout fait. Je suis couché avec ton oncle. Tu viens guetter. Tu viens faire les simagris. Tu me dragues. Tu veux faire ceci-là. Je mange avec ton oncle. Tu fais. J'ai accepté tout ça, je suis pas allé. Toi, mais tu as fait un maintenant jeu de ce mal là. Tu me tais, tu me connais même pas. Donc quand j'ai rien fini, j'ai accepté que la relation est finie. Je suis hors de votre famille. Donc quand tu me vois, tu passes comme la cible, tu me mets en bas. Non, la relation continue, non? Avec qui? Laisse mon oncle, j'ai entendu, j'ai entendu. Tu vas te demander les excuses. Demander les excuses à qui? Il y a un truc du monde. Lui, pas encore me demander les excuses, j'accepte. Mais tant que tu es dans la famille. Tu sais que c'est moi l'héritier. Tu sais que je suis l'héritier. C'est moi. Tout ça, c'est moi. Tu vas jouer avec moi. Tu me connais. Non. Tu me connais. Bah, attends. Moi, je vais te dire quelque chose. Entre nous. Hein? Tu sais que. Daddy! Quand je te vois, attends. Tu parles avec moi, ne blague pas avec moi, tu as compris. Tu m'as. Tu fais quoi? Aïe! Tu vas pas comprendre, tu dois couvrir ma vie. Je comprends maintenant. Je comprends. Aïe! Il ne savait pas que mon homme est passé pour un deux pour t'en quitter. Pour t'en quitter? Il ne savait pas. C'est rare pour qu'elle est. Aïe! Il ne savait pas que mon homme est passé pour le roman. Tu es un kit. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que pardon. Donc tu vas me finir. Pardon! Il va me donner. Aidez-moi, pardon. Aidez-moi. Aïe! Aidez-moi, pardon. Je suis pas là. C'est quoi, Yacou? Jesus! Mon père, c'est mon beau, soulève-moi, pardon. Attends, aide-moi. Aide-moi, mon beau. Aïe! Je vais te dire que. Oui. Parce que quand on dit souvent que vous entendez que les gens de vous les diables, c'est les diables du Seigneur. C'est par rapport aux gens comme ça là. Si je ne suis plus en mariage. Mon beau, va te faire. Ferme la bouche, écoute. Oui. N'écoute pas ce que tu vas de moi. Écoute, je vais suivre ce que tu dis. Oui, que s'est-il passé? Mon beau, attends. Jesus, ne m'amène pas ça encore. Tu vas écouter. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tu sais que si je suis séparée de mon mari, je suis à cause de cet imbécile. Hein? C'est à cause de son neveu. Le gars, il m'a tout manqué dans ma vie. Je me suis séparée de mon mari parce qu'un homme que j'aimais de tout mon cœur. Après le salopard, il y a des choses qu'il me faisait dans la maison. Il a arrangé même les coups, il a tout fait. Je suis quittée là-bas. Aujourd'hui, là, je marche encore. Parce que regarde-moi le machin, il dit qu'il faut m'aimer. Il va m'épouser. Qu'est-ce qui s'est passé là tout de suite? Il m'envoie et je suis en train de passer ma chose. Il recoule derrière moi, il m'appelle, il me dit que non, il va m'épouser. Oh, parce que son oncle était vieux. Oh, machin. Jesus. Que tu aimes ou pas, je m'en fous. Écoute. Je m'en fous. C'est pas ton pied qui écoute. Écoute bien. Attends,
est-ce que tu sais pertinemment que je suis là? Je suis de retour, on est sorti là devant toi. On ne t'a pas peut-être dit qu'on allait voir l'oncle au village. Mais ça même tu le sais, nous sommes allés voir l'oncle. On pensait qu'il était encore ici à Yaoundé. Il nous a expliqué un certain nombre de choses, comme quoi... Attends! Écoute attends, bien! N'oublie pas que j'ai dit, non, j'ai dit de m'écouter! J'ai dit de m'écouter! Écoute-moi! Donc maintenant, vous deux contre moi, parce que ma soeur n'est pas là. J'ai dit de m'écouter. Laisse-moi. Il me fait donc savoir une chose, il me dit que tu n'es plus en mariage depuis un certain temps. Et il a été obligé de rentrer au village parce qu'il est appelé à faire des chants et tout à cause de Jesus. Jesus, vous regardez, quand vous êtes dans la chambre, Jesus vient guetter. Jesus mangeait, ne faisait rien. Et Tantine Laure, ce sont les mêmes choses que ce chef Gougnafier fait à la maison. Bon. Attends, Jesus attends, ne fait... Avant de continuer, non, attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je pense que tu me laisse parler. Laisse-moi parler, oui, je me veux dire quoi? Oui, dis ta bêtise. Comment? Attends, toi, nous sommes maison. Hein? Ça, non, parce que maintenant, on s'est croisé quelque part où tu sais que il ne peut rien. Mais attends, je vais te dire quelque chose. Mon oncle, une fille comme celle-ci, elle n'est pas une femme. Regarde cette beauté-là. Regarde cette jeunesse. Mon oncle, regarde... Ferme la bouche, Jesus. Ferme la bouche. Tu n'as pas droit à la parole ici. Pourquoi? J'ai dit de te taire. Écoute bien. Écoute. Je vais te dire quoi? Toi d'abord, je vais te dire quelque chose. Tu vas me dire quoi? Où tu es là? Tantine Laure, dans tous les cas, il n'y a pas de problème, on ira à la maison. Lui, toi, comme tu continues tes bêtises là, je t'ai dit, je t'ai oublié. Et puis, le village va me faire quoi? Mon âme va me faire quoi? Il est qui? Il est quoi? C'est aujourd'hui que tu pars de chez moi. Moi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est aujourd'hui que tu t'en vas chez moi. Tu ne sais pas. Ok, il n'y a pas de problème, on va donc partir. Parce que ta soeur, je l'ai laissée, elle partait au salon. Maître, ah, laisse-moi! Tu ne veux pas. De pas où? Tu ne vas pas. De pas où? Tu ne vas pas, Jésus. Tu ne vas pas avec moi. Ok. Comment tu ne vas pas partir? Aidez-moi! Yes, oh, maman. Mon chéri a fait fort le tout ici. Il m'a gâté. Les bois de nuit vont aussi chauffer. Hein? Ah, maman. Parce que la banane pourrie là, elle est un peu. Qu'est-ce que j'ai l'impression là? Parce que d'autres pensent là que. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas à toi qu'elle m'agresse! Qu'est-ce que tu fais avec mes choses? La sorcellerie que tu cherches là. Je parle les lèvres. Laisse mon placer là-bas. Je fais ça. Je parle les lèvres et continue. Qui t'a donné mes habits? Ati, ce sont mes gars que tu as embarqués comme ça. Hein? C'est une histoire de jalousie ou quoi? On t'a seulement envoyé. Qui t'a donné mes choses? C'est ça les choses que mon gars m'a donné. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es folle. Tu parles comme ça à qui? Ton gars a acheté quelque chose ici. Ton gars t'a donné. Tu vas déposer rapidement mes choses. Jalouse. Ton gars a acheté. Regardez-moi là. Elle insiste. Dis-je, c'est où est-ce? Ça, c'est même quoi ça? C'est la coiffure. C'est la coiffure. Dis-je, t'as dit qu'il y a un magasin ici. On te donne les vêtements, les grappes de femmes jusqu'à tu as mes cheveux sur la tête. Tu es malade? Tu es normal. Regardez-moi ça. C'est ton gars. Mais viens voir. Tu fais ça à qui? Je vais te faire quelque chose. Pas parce que je te laisse faire. C'est même quoi? Tu te prends pour qui? Il faut essayer. Parce il faut essayer. Il faut t'acheter tout ça. Tu viens là, fais les trucs. Touche à quoi ça si tu es une femme? Touche. Dis aux gens, tu veux que je t'aide à ça un peu. Tu as compris, non? Je ne suis pas dans vos choses là. Et moi, tu vas me manquer de rester dans la maison. Regardez-moi ça. Je ne suis pas des âmes. Tu as compris? Allez! Oh, je dis là. Je peux savoir, Jesus, qu'est-ce qu'elle cherche ici? Laisse-moi. Toi encore ici? Laisse-moi. Qui t'a ramené ici? Je suis venu trouver la bonne madame en train d'emballer mes graines, mes habits. Et comme en me disant que c'est son copain qui a acheté. Jesus! Attendez, attendez. Tu t'assieds?
Et dis-le, allez, t'assois, mets-toi debout. Mets-toi debout. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mets-toi debout. Bon, attendez. Tu es venu faire quoi? Attends, c'est toi qui parles. Ça veut dire que Jesus a cassé la porte de notre chambre? Oui. Mais elle m'engueule. Tu m'as fait tout ça. Elle m'a osé. Tu m'as fait tout ça. Moi, tu m'agresses. Le chien, ton quoi? Ça, ce sont les habits de ma femme. Dis à ton machin si. Ça, ce sont les habits de ma femme. Les perruques de ma femme. Laisse-moi la modeste. Tu comprends? Cristal. J'en ai marre. Qu'à chaque fois qu'elle vient ici, chérie, il faut toujours que. Tu connais quand elle est écoutée, non? Pourri. Mets-moi ça dehors. Mais Malax, c'est même quoi? Elle a voulu me tuer ici. Ce que l'oncle peut même me dire, là. Prends tout ça, chérie. Prends tout ça. Je t'ai même raté. Toi aussi, tu es contre moi. Elle a voulu me tuer. Nous allons faire ça. Toi contre moi. Je t'ai loupé. Donc, n'est-ce pas la première fois que je t'ai demandé de ne plus venir ici? Laisse-moi d'abord. Je ne t'ai pas dit, je ne sais pas si tu as un problème. C'est mon problème. Tu vas aller régler ton problème hors d'ici. Tu comprends ça? Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Attends. Donc, tu réponds moi si tu es contre moi, non, parce que je t'aime. Mets-moi les deux choses ici d'ailleurs maintenant. Je suis fatiguée. Donc je dis que ici c'est le chez moi et tu dis qu'on me met dehors. Je dis ça. On me met dehors. Elle a bondi sur toi et mon petit corps aussi là. Tu ne comprends pas bien, chérie. Essaye. On a suffisamment eu à bavarder sur ça. Mets ça dehors. Jesus. Moi, il va te dire quelque chose. Dis-le, ça, tu m'as arrête, arrête-moi ça. Tu es venu ici avec un petit ça. Arrête-moi ça. Je suis non. Juste un petit ça. Arrête. Ça va, ça va, ça va. Non, non, ça va. Ah, mon bon. Chérie. Mon bon, viens. Chérie, laisse. Ouais. C'est bon, chérie, c'est bon, viens. Viens, mon amour. Laisse la fin de ça. Va, laisse. Viens, viens. Viens, viens. Elle va te porter plainte. Tu m'as marqué le respect. Elle va te porter plainte. Jesus. Je dis que Jesus. Je vais aller mes choses. Je dis encore que ça, ce sont les choses de ma femme. Est-ce que tu comprends? Je dis que c'est pour ma femme. Jesus va acheter des choses pareilles. Jesus, quand tu es venu, mon amour, quitte. Quitte, mais dis ça dehors, j'en ai marre. Quand tu es parti, dehors, écoute bien, des chelons. Je vais me mettre dehors. C'est ce que tu dis. Hein? Prends ça. Donc, dis toi, on ne bouge pas d'ici. Porte ton sac. Prends ton sac. Voilà, c'est avec quoi tu es venu ici. Vous partez ensemble. Vous sortez ensemble. Il t'a dit que c'est sa maison, non? Ah, laisse-moi là. Allez, dehors. C'était bon, dis dehors. Mais bon, hé, sautez. Tu ne fais rien. Dehors, allez, toi-même. Dehors. J'ai dit dehors. Non, tu me jettes dehors. Dehors. J'ai dit dehors. Dehors. Jesus, viens ici là. Petit. Ah, tu ne vas plus partir. C'est la maison de ton gars. Non. Jesus. C'est bon. Partez. C'est bon. C'est bon comme ça. Merde. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Jesus? Ça me veut quoi là? Qu'est-ce que Jesus veut à la fin même dans cette vie? Hein? Donc c'est comme ça. Oh! Tu ne touches plus. Tu vois, je t'avais prévenu, cette fois-ci c'est bon. Si je revois les pieds de Jesus dans cette maison, c'est toi et moi. Ça, je te le dis. Moi-même. Honnêtement. Donc Jesus s'en va comme ça, il va. Il est même pas resté prendre une autre bouteille de vin. Tu vois, le petit temps où on s'en va voir l'oncle, il reste là, il casse la porte de notre chambre. Il entre, il abase tout. Il bat. On verra ça, Jesus. C'était bon comme ça. Trop bon, trop con. C'était bon. C'était bon comme ça.